Bonjour à tous, c'est Chris, le retour. Me voilà effectivement de retour pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Geotel Note. Vous l'avez vu en preview d'avant générique, c'est un téléphone plutôt beau, plutôt joli, un téléphone vraiment pas cher et qui malgré tout est intéressant. Une nouvelle marque, Geotel, qui auparavant en fait fabriquait des téléphones pour de l'OEM. Est fabricant depuis 2011 et donc a décidé de lancer ses propres modèles de smartphone avec ce Note. Alors un Note qui a 3 Go de RAM et il est quand même plutôt intéressant déjà de par le prix et de par ses specs, parce que pour le prix vous avez de la 4G et de la 4G certes pas très rapide puisqu'il est équipé du MT6737 et non pas T, donc il est à 1,3 GHz. Vous avez malgré tout un écran de 5,5 pouces HD, ce qu'ils appellent TrueView. Bon, vous verrez par la suite ce que ça donne. C'est principalement lié au traitement des couleurs. Ensuite, vous avez 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Vous êtes en Android 6.0. Et vous avez des caméras qui sont quand même plutôt pas mal. Une arrière de 13 mégapixels et une avant de 8 mégapixels située ici, de près de 90 degrés d'angle pour la prise de vue. Alors, on va regarder donc tout de suite le contenu de la boîte. Alors, ce téléphone vous est livré avec, bien entendu, un chargeur. Un peu léger en main, très léger. Bon, nous sommes sur du 1,5 ampère en sortie. Vous avez un câble USB micro USB simple, un quick guide avec du français dedans et des photos en couleur, ce qui est plutôt rare. Donc c'est plutôt un petit bon point. Un manuel utilisateur qui est sous forme d'un dépliant. Voilà, et enfin un film de protection qui semble être un peu plus épais que d'habitude sur d'autres marques, ce qui est livré avec d'autres marques. Et enfin le téléphone vous est livré avec une coque plastique, voilà, une coque plastique semi-rigide. Voilà le téléphone sans sa coque à l'arrière. Vous voyez qu'un effet plutôt sympa sur la coque. Et l'ayant utilisé tout de même en test, hein, bien entendu, comme d'habitude, je peux vous certifier, il démarre, hein, je l'ai démarré en même temps, je peux vous certifier que la coque arrière est de meilleure qualité que sur le Elephone S7 qui s'était rayé tout de suite. Voilà. Donc, ça prend bien entendu par contre énormément la poussière, c'est du plastique, ça marque aussi quand même les empreintes. Mais franchement, il est quand même plutôt joli ce téléphone. Puisqu'il est allumé, on va lancer le test tout de suite de ce Geotel Note. Alors ce Geotel Note, première chose, il y a une LED de notification, ce qui est malgré tout rare sur cette gamme de prix. Environ, allez, 90 euros, 80 euros. Au plus cher, on le trouve à environ 100 euros. Mais globalement, il est plutôt autour des 100 euros. Et ce téléphone m'a été envoyé par la boutique TomTop. Donc voilà, petite information. Premier point tout de suite, c'est un smartphone bien entendu pas cher. Donc le traitement de surface pour l'écran est là, mais il n'est pas, on va dire, très développé. Bon, voilà. Si vous avez les mains un peu grasses, comme moi, je peux avoir en ce moment avec la transpiration, vous avez très rapidement des marques sur l'écran, mais malgré tout, elle s'essuie quand même assez facilement. Petit point que j'ai oublié dans la présentation de ce téléphone lors du déballage, c'est sa batterie 3200 mAh, ce qui est plutôt aussi un très bon point, et il tient très bien la journée. Puisqu'en plus, vous avez uniquement un 6737, un 4 coeurs, donc peu consommateur en batterie. Il est peu énergivore, pour parler français dans le texte.
Alors, ce téléphone, bien entendu, vous avez l'impression, mais non, il n'a pas de lecteur d'empreinte. C'est juste un effet rond. Vous avez une simple LED à l'arrière pour le flash. Et le haut-parleur se trouve ici, bien entendu, sur le dessous. Alors, voilà, vous voyez l'écran. Un écran franchement lumineux, très belle couleur. Il n'est qu'en HD et honnêtement, il est franchement beau. Voilà, pour un smartphone à 100€, il est équipé franchement d'un très bel écran. Voilà, ça c'est le premier point qui m'a sauté aux yeux lorsque je l'ai allumé ce téléphone. Alors c'est un téléphone bien entendu pas cher, donc c'est beaucoup de plastique. En dehors de ce point, vous avez de la ROM stock dessus. Autre bon point encore. Avec la barre des boutons Android masquable, tout simplement. Voilà. Ensuite, c'est du MT6737 avec donc le Mali-T 720. Ne vous attendez pas à des performances hyper boostées et surtout, donc, ce ne sera pas un téléphone hyper rapide lorsque vous jouerez. Alors, si vous jouez à des petits jeux, ça passe encore. Mais j'ai trouvé, malgré tout, qu'il était quand même pas mal optimisé pour pouvoir jouer correctement avec. Alors, ce que je vais vous montrer tout de suite, on va attaquer donc par ses specs et avec le résultat tout de suite AnTuTu. Alors, résultat AnTuTu, MT6737. C'est pas détonnant, hein. Donc c'est du 29 000 points environ. Avec, en termes d'infos, vous avez bien la marque Geotel, avec de l'Android 6.0, donc le 6737 et le Mali-T 720. Nous sommes en résolution HD, caméra arrière de 13 mégapixels. Vous avez bien 3 Go de RAM et 16 Go de ROM. Ça peut paraître peu, effectivement, 16 gigas de ROM, mais sa mémoire est extensible jusqu'à 32 gigas. Alors 32 gigas, là aussi c'est peu, le débat est ouvert, ça reste un téléphone, voilà, premier prix. Donc on aurait pu espérer une carte SD à plus forte capacité, ce n'est pas le cas. Bon, ça reste un téléphone premier prix, orienté jeune, c'est clair. Voilà, c'est pas pour les pros des geeks ou les geeks pro, comme vous voulez. Au niveau de la densité de pixels, bon, 5,5 pouces, HD, 320 dpi, c'est pas extraordinaire. C'est de la HD uniquement sur du 5.5. Pas de miracle. Caméra en façade, 8 mégapixels. Ensuite, fonctionnalité, donc pas de NFC, bien entendu. Un accéléromètre, un gyroscope non étalonné, le capteur de lumière, la proximité, et c'est tout. Pas grand chose sur ce téléphone. Vous l'aurez compris, je le répète, smartphone, premier prix. Alors ensuite, le screen test. Je cache la barre des boutons. Et honnêtement, vous pouvez le voir, c'est une bonne surprise. Téléphone vraiment pas cher, avec un écran sans défaut. Voilà. Un noir très profond. Alors, les couleurs sont calibrées, on va dire, palote. C'est le moins qu'on puisse dire, vous le voyez à l'écran. Même à l'œil nu, c'est un peu palo. C'est le seul point que je dirais que j'ai trouvé un peu négatif sur cet écran, c'est la colorimétrie. Même si toutes les couleurs sont bien présentes et bien détaillées, je l'ai trouvé un peu palo. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Même le vert, il est vert un peu pâle. Pas d'autre mot. Il n'y a que le bleu qui pourrait s'en tirer à peu près. Alors ensuite, bon, on passe sur les pixels et les gris. Vous voyez que l'ensemble des gris sont parfaitement visibles. Et là, c'est juste nickel à l'écran, vous les voyez tous parfaitement. C'est très très bon. Quand je vous disais que la colorimétrie était bien calibrée et que toutes les couleurs sont bien présentes, vous voyez qu'on fait bien la distinction entre les jaunes et verts, orange et jaune, les différents bleus, mais
Vous le voyez, c'est pas pétant, ça saute pas, ça vous éclabousse pas à l'œil, hein, très clairement, mais bon, le fait est que c'est pas violent non plus lorsque vous regardez toutes ces couleurs. Voilà. Voilà, on a fait le tour donc du screen test. Le multitouch, un 5 points, ce qui est déjà plutôt pas mal vu son prix. Certains vous offrent du 3 points, ou par le passé, et un passé pas si ancien, on avait des téléphones qui vous étaient livrés en 3 points. Là, on a du 5 points. Bon point donc de la part de Geotel. On va regarder tout de suite les résultats d'Epic Citadel et du GPS. Les résultats d'Epic Citadel avec ce Mali T720, on est à 27 frames par seconde. Je dirais heureusement que nous sommes qu'en HD parce que, bon voilà, on est quand même à 27 frames par seconde, ce qui est malgré tout plutôt pas mal pour un téléphone de ce type. Mais c'est sûr qu'on est loin des 50-60 vu sur d'autres téléphones. Au niveau du GPS, alors vous voyez que il y a des satellites fixés. Autant de visibles, 12, 6 fixés. Bon, on est d'accord sur le principe que il y a bien des satellites fixés, mais alors impossible d'avoir le temps. Est-ce que ça a été très rapide ou pas rapide? Alors moi, je peux vous certifier sur l'honneur, ma main à couper, que ça a été très rapide. Alors est-ce que c'est pour ça que le temps n'est pas apparu ici? Je ne sais pas. Mais c'est identique sous GPS test. Ça a été très rapide pour fixer les 6 visibles sur 12. Alors, c'est pas beaucoup hein, dans l'absolu. C'est beaucoup moins que sur d'autres téléphones. C'est vrai. Mais je peux vous certifier que sur la route, il suit la route. Il n'y a pas de problème. Il ne décroche pas. Alors, ensuite, au niveau des fréquences, rien du tout d'extraordinaire. En SIM 1, vous avez l'ensemble des fréquences, donc 2G, 3G avec la bande 900 et la LTE avec la 1, 3, 7, 8, 20. Et voilà, vous avez la 8 en plus. Bon. Et la SIM 2, uniquement 2G. Ce qui paraît étonnant, mais bon, a priori, ils n'ont déclaré que la bande GSM simple. Bref, voilà pour le tour technique de ce Geotel Note. On va aborder tout de suite donc la partie multimédia classique de ce téléphone. Je vous laisse regarder tout de suite les photos, les vidéos réalisées avec ce Geotel Note. À vous de juger, on en parle vite fait après. Bon, vous avez vu les différentes photos, vidéos, c'est plutôt pas mal. Moi, en tous les cas, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal, y compris les photos de nuit, parce qu'un exemple, hein, c'est celle-ci, sans flash, ici réalisée donc sans flash, hein, je dis bien, et ici réalisée avec flash. Vous voyez que le capteur de 13 mégapixels
en très faible luminosité, arrive à capter cette faible luminosité et arrive à en tirer des photos quand même plutôt pas mal, hein. Alors effectivement, le flash est encore meilleur, sachant que le flash, j'ai trouvé qu'il fonctionnait vraiment très bien, puissant et pas trop enfermé dans un cercle. Il est assez large, il a un champ assez large, ce flash, et du coup, la photo, vous voyez pas mal les détails sur la photo prise, y compris que ce soit avec des couleurs sur des fleurs. Ici, donc, c'était avec flash, et ici, sans flash, une fois de plus. Vous voyez, franchement, il fonctionne vraiment très bien. Pour les photos de nuit, je vous en ai montré quelques-unes, c'est plutôt pas mal, moi j'ai trouvé en tout cas. Et les vidéos, un petit peu saccadées, bon, légèrement, mais je les ai trouvées franchement lumineuses. Ça fonctionne très bien de ce côté-là, un très bon capteur. Pour ce qui est du capteur selfie, comme vous avez pu le voir, les photos sont aussi très nettes. J'en ai pris 3. Contre-jour, et le contre-jour, il compense très bien la lumière arrière pour faire ressortir le visage, et 2 autres photos en intérieur classique, mais toujours très proche de la lumière. Franchement, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur les capteurs et le traitement de la photo. Beaucoup ont des leçons à recevoir de ce côté-là, je trouve, par rapport à ce Geotel Note. Voilà. Et enfin, la vidéo de jour, j'ai trouvé la balance des blancs un peu lente. Vous êtes obligé d'appuyer sur l'écran pour qu'il refasse une mise au point. Enfin, vraiment, c'est un peu bizarre. Autant la photo est très bonne, autant la vidéo, je l'ai trouvée. Bon, la vidéo de nuit, voilà, je vous l'ai dit, c'est un peu saccadé. Mais la vidéo de jour, j'ai trouvé vraiment la balance des blancs. Alors, je ne sais pas si c'est la balance des blancs ou si c'est vraiment la netteté que vous êtes obligé de forcer. Ce qui fait que effectivement la balance des blancs du coup se re-règle et l'image devient très nette. Alors c'est ce petit décalage en vidéo qui me fait retirer quelques points pour la caméra. Mais pour ma part, la photo c'est un sans faute. Alors pour le son, je vais faire dorénavant différemment parce que c'est franchement très compliqué aujourd'hui de mettre des sons sur YouTube. Mes dernières vidéos ont toutes été supprimées alors que j'utilisais précédemment toujours la même musique. Une musique était en free et passée depuis, les gens étant plus connus qu'avant, ont décidé que c'était plus free. Donc mes vidéos, malheureusement, se sont fait toper par YouTube en utilisation de copyright déclaré. Donc je vais utiliser du no copyright sound avec ce que tout le monde ou beaucoup de blogueurs, youtubeurs utilisent, c'est NCS. Et bien écoutez, je vous propose de mettre du NCS et je sais pas, n'importe lequel, hein, on s'en fiche, on va écouter ça. Alors voilà, on va monter le son, hein. Donc je vous le rappelle, le son sort d'ici. Alors, il nous reste à regarder les jeux, et c'est GT Racing 2 de Gameloft, vous l'avez vu, que j'utilise sur ce téléphone, un jeu gourmand. On va regarder ce que ça donne, hein. Bon, petite vidéo de présentation, voilà. Donc un accéléromètre.
fonctionne plutôt bien, vous le voyez. Pas besoin de donner des grands coups. Le tactile fonctionnant parfaitement sur cet écran. Vous n'avez pas besoin d'appuyer comme une brute pour accélérer ou freiner. Alors, Mitsubishi face à des Cadillac ou des Mustang, je suis pas sûr que ça accroche, mais bon. En tout cas, vous le voyez. Les effets sont quand même plutôt pas mal hein, avec ce Mali-T 701 sur ce téléphone. Je suis même assez bluffé de la qualité finalement. Donc le jeu est plutôt pas mal développé. J'avoue que je l'avais testé très très rapidement, donc pas plus de détails j'avais là-dessus. Mais là franchement, ouais, bien, très bien même. Ça fonctionne parfaitement sur ce téléphone. Voilà. Hein. Voilà pour le jeu. Vous avez vu la vidéo, vous avez entendu le son. Il nous reste à faire donc la conclusion de ce Geotel Note. Alors à tout de suite pour la conclusion. Alors ce Geotel Note, que vaut-il? Pour ma part, c'est un smartphone qui est plutôt dans la moyenne, basse hein, bien sûr, un téléphone bas de gamme, mais qui est dans la dans le bas de gamme haut. Alors c'est compliqué à expliquer. Comment dire, vous avez les bas de gamme qui sont équipés des 6737. Alors des 6737, il y en a un palanqué, ça, il y en a même à l'appel, hein, on dira. Mais ce téléphone, je trouve qu'il sort un petit peu du lot, de par ses 3 Go de RAM, sa batterie de 3200 mAh et son écran de 5.5 HD. J'ai trouvé qu'il était... Voilà, il manquait pas grand chose. Alors, il aurait été bien de le trouver avec un 6750, par exemple, ce téléphone, qu'il soit un petit peu plus cher, mais qu'il soit finalement plus puissant, avec un petit peu plus de ROM, et c'était vraiment un téléphone parfait. Alors, en pour, moi, je lui ai mis sa ROM stock, juste parfait, puisque pas de latence, elle tourne très bien sur ce téléphone. Son prix, très agressif, je vous l'ai dit, 100 €. Et petite surprise, vous regarderez en description de la vidéo, une petite surprise sur la boutique Gearbest pour l'avoir au meilleur prix, ce Geotel Note. Alors, attendez-vous à une belle baisse. Donc, très intéressant. Je vous laisserai regarder. Ensuite, donc, je l'ai déjà dit, c'est 3 gigaoctets ou bytes, comme vous voulez, de RAM. Ce qui fait que les applications tournent bien. Vous pouvez en charger un certain nombre en mémoire. Il continue à bien tourner. Le seul point faible, c'est sa ROM, un peu trop faible si vous voulez mettre un grand nombre d'applications. Difficile de stocker tout ça. Plus des photos, plus des sons, bon, bref, voilà. Ensuite, son GPS, je l'ai trouvé très rapide, même si on n'a pas réussi à mesurer le temps. Mais il fonctionne bien. Sa caméra, très bonne qualité pour les photos. Alors, attention, je dis bien pour les photos. Pour les vidéos, j'ai mis un petit bémol. On en parlera après. Sa finition globale, que j'ai trouvé plutôt jolie, plutôt agréable à l'œil, même si cet détail au niveau design fait déjà du déjà vu sur d'autres téléphones. Et d'ailleurs, le prochain téléphone que je vais tester, que je vais mettre en vidéo, a exactement quasiment la même chose à l'arrière. Donc là, c'est du déjà vu. Et beaucoup de déjà vu en ce moment d'ailleurs. Ensuite, bah écoutez, voilà son écran seulement HD mais parfaitement intégré dans le châssis, donc un sans faute côté écran. Mais contre, les contres, vidéo saccadée la nuit, vidéo avec une balance des blancs peu bizarre, un petit peu lente le jour. Bref, les vidéos, ça pourrait être amélioré. Il n'y a pas eu de mise à jour de fait sur ce téléphone. Alors attention Geotel, si vous voulez faire des téléphones, faites attention aux mises à jour, prévoyez des bonnes mises à jour. Et surtout, régulièrement aussi, parce qu'il est évident que aucun téléphone ne sort sans bug, sachant que c'est l'homme qui développe, l'homme n'est pas sans bug. Ensuite, la ROM, voilà, je l'ai dit juste avant, la ROM un peu faible, 16 Go, un peu trop faible à mon goût, surtout pour un téléphone de ce type qui fait des belles photos, donc qui peut pousser à faire beaucoup de photos. Bon.
Alors attention de ne pas installer trop de jeux non plus. Donc voilà, alors après, extension via SD jusqu'à 32 Go. Sa note finale, une moyenne, un téléphone bas de gamme de la moyenne haute. Je m'explique, 8,1 sur 10, plutôt pas mal pour un bas de gamme qui franchement a très très bien fonctionné tout le temps que je l'ai testé. Et là encore, pour la vidéo, j'ai refait bien sûr les tests, hein, en direct avec vous. Vous le voyez, il n'y a pas de souci, pas de blocage, pas de plantage. C'est vraiment, vraiment un sans faute de ce côté-là. Et surtout aussi, je tiens à le signaler, un signal Wi-Fi parfaitement réceptionné à fond. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, encore une fois de plus. Voilà, j'en ai fini avec ce Geotel Note. Geotel Note qui, franchement, m'aura laissé une très, très bonne impression. Vous avez peu de moyens, vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser dans un téléphone. Personnellement, je vous le recommande. Je vous le recommande de par sa taille, son écran, sa batterie. Il fonctionne très bien, les jeux tournent très bien. Donc, un bon téléphone, pas cher et honnêtement, qui regroupe beaucoup, beaucoup de qualités. Voilà, j'en ai fini donc pour aujourd'hui cette nouvelle vidéo de moi, Chris, pour le blog sinodroidtv.net. Et je l'espère à bientôt. En tous les cas, comme je le dis à chaque fois, hein, faites bien attention à vous, la vie est courte, elle vaut d'être vécue. Donc, il y a tellement de surprises qui nous attendent au tournant demain ou après-demain ou tout à l'heure. Bref, je vous dis ciao les amis, bye bye et puis à la prochaine. Je compte sur vous!